Bienvenue à l'émission Chasse-tu. Cette semaine, accompagné d'un spécialiste de pêche bien connu de ma région, le Témiscouata, Danny Provencher nous emmène au Nouveau-Brunswick sur le lac Baker, taquiner la truite grise à la pêche blanche. Trucs, astuces et conseils sont au rendez-vous. OK, les petits amis, je suis bien content aujourd'hui pour l'émission Chasse-tu. C'est super le fun. Je suis accompagné de deux spécialistes de la pêche. Ouais. Luc, sur le lac, écoute, c'était vraiment le fun. Sur le lac Squatec, deux émissions de pêche sur marcheur de fond puis en surface, c'était beau. Sur la glace, tout pointe vers Danny Provencher, ici présent. Hein, Luc, je pense que et Danny. Et au jig l'été aussi. Et au jig l'été, ouais. Le poisson se nourrit de d'éperlants d'eau douce, qu'on appelle la semelle. OK. Ça, tantôt, t'as pogné ça au hasard de même, là. Ouais, okay. J'ai accroché, là. OK. Ouais. Lui, tu peux pas pêcher avec ça, là. Ben, s'il est mort, oui. Mais s'il est mort, ouais, OK. S'il est mort, les gars mettent des brimbales. OK. J'en pogne un de temps en temps. Mais la meilleure technique que moi, j'ai développée, c'est des smelts. C'est Gog qui fait ça. Fait que ça a de l'odeur. C'est très ressemblant. Puis on met une petite tête plombée. OK. Fait que ça, là, ça ressemble beaucoup à la semelle qu'il y a là, mais ça ressemble aussi un petit peu à du pointu pour le témis, hein, ouais, c'est ça? Ben, témis, je ne pêche pas tant. C'est plus que sur le Squatec. Juste avant que tu ailles plus loin, ouais. Danny, parce que là, t'es pas creusé ici par hasard, puis Luc n'est pas là par hasard non plus, puis Paul, ici, t'as choisi cet endroit-là. Pourquoi, là, ici, pas là? Parce qu'il y a deux battures. Il y a une batture, là, si on regarde la cabane, là, il y a à peu près 16 à 18 pieds d'eau, là. OK. Puis ici, on est à 50. Puis dans la bâture, ici, il y a beaucoup de semelles, de... Ça, sur le descendant, là. Ouais, ouais. OK. Tu as 50 pieds autour de ça. Ouais, là, je pêche à 52. OK, tu descends jusqu'au fond, là. Tu l'as dit, lui, inévitablement, il est plus au fond. OK. OK, là, si tu peux-tu regarder... Ben oui, bouge pas, tu vois. L'écran un peu, là. Je vais aller l'autre bord, oui, bouge pas. Bon. Là, si on voit, là... Sous mon radar, ici, c'est toute la profondeur complète. Puis ça, ici, c'est un zoom à peu près de 30 pieds à 52 pieds. OK. Quand je bouge mon leurre, si tu vois, là, la ligne qui monte ici, ça, c'est mon leurre. C'est mon petit menet accroché avec une petite tête plombée. Okay. Puis dans le fond, ici, ben, on suppose qu'il y a beaucoup de tu vois, là. Oui. Ça, c'est probablement... Un tout l'a dit, à cause de la ligne rouge, c'est beaucoup plus large. Okay. Puis les petites lignes bleues, souvent, mais ça va être la smelte, démenée. Okay. Okay, okay. Puis à un moment donné, tu jigs. Souvent, je vais descendre au fond. Je vais le faire là. Ça se rappelle fun. Ça... Là, si on voit deux lignes, c'est parce qu'en haut, on voit son émirien. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais, parce que je pêche avec du fluorocarbone. OK. Fait que là, on voit que tu descends ici. Je descends. Ça là, non? Ça là? Ça ici. Okay. Ça, je descends. Exactement. Là, j'en ai. Puis là, je vais monter voir. OK. Puis là, ben, une fois de temps en temps, à un moment donné, tu vois une flèche partir du fond. Ça monte en haut. Puis là, c'est tout l'a dit. Puis ce qu'on a remarqué après plusieurs années, c'est que quand le poisson monte, faut se sauver. OK. Parce que un menet, il reste pas sur place. Quand il voit le poisson arriver, il va se sauver. Puis si tu restes sur place, ben souvent, tu vas avoir une grosse arc. Il va monter, puis il va redescendre. OK. Quand il monte vraiment pour mordre, là, la flèche, là, elle fait une ligne horizontale. Il part... Et puis, ça va vite, là. Ça va vite. Puis, mettons, comme là, j'en ai un en dessous de moi, probablement. Ouais, s'il est preneur, je vois bien, là. Quand on sauve comme ça, la monnaie, il va choquer, puis il va partir du fond, puis il va monter jusqu'au. OK, OK. Ouais. Je comprends bien. Fait que ce qui est rouge, là, c'en est un, puis ta ligne, t'es vraiment live vis-à-vis. Ça, là. Probablement. Puis, là, dans le fond, ben là, il y a un paquet de menées, un paquet de tout l'a dit. Okay. Mais ça, c'est un beau fond. Mais là, regarde, foutu, il y en a un qui est venu voir, là. Oui.
Mais tant qu'ils ne montent pas en flèche... C'est pas intéressant pour toi. Pas tant. Fait que toi, mettons, là, t'as pas de rouge dans le fond, t'as pas de tout le... Ben, pas dans le fond, mais... Ça change de place. OK, OK. Carrément. Fait que là, si t'es jamais ici, c'est parce que tu n'as pas mis un tantôt, ouais, puis tu vois du rouge, là. Ouais. Puis le gars, il y en a un, là. Il y en a un qui monte. Et que ça y a tenté, lui. Ça y a tenté. Là, là? Tu sais, là, il est venu, là. Il monte encore, là. Il est quasiment à surface. Puis souvent, c'est là qu'il va... Qu'il va choquer définitivement. Non, mais non, il... Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'un troublé dit n'en pogne un puis l'autre, c'est l'instinct animal de tout? L'instinct animal. Ça y tente, ah, ça y tente. Tu sais, il y a des matins là, qu'on arrive, là, puis tu le descends au fond, puis ça monte tout de suite. On a déjà fait des quotas. Il est rendu 9h, puis on en a 8 tout le dit. OK, les quotas juste pour le fun, ça? C'est deux par personne. C'est deux par personne. Ouais. 45 cm. Ouais, 45. C'est pas comme chez nous. Non, là. C'est pas comme chez nous, c'est 60 cm. C'est ce longueur-là. Là. Ça, ça l'est, ça. OK, fait qu'on, on peut prendre plus petit un peu. Que chez nous. Ah oui, okay. 15 cm oui. De moins. Okay. Oh, ça paraît. Okay. Là. Ah, c'est super le fun. C'est facile, ça. Là. Par nous autres, c'est à 60, là, t'es là, à peu près. Là. C'est okay. Toute une différence parce que souvent, ah, oui. 52, 54, 56, 58. Ouais, puis c'est des beaux poissons. Oh, oui. Mais on les remet à l'eau parce que. Fait que tu pêches avec quoi, Danny? Je vais te montrer ça. Non, je veux dire, ta ligne. Je mets de la 12 livres. OK. Puis, on met pas de la ligne tressée l'hiver. Non? Non. On est assez stressé de même, non? Non, c'est que ça fait beaucoup de motons. OK. Puis je sais pas pourquoi, différemment de l'été, mais la première année, je pêchais avec une ligne tressée, parce que l'été, je pêche avec de la ligne tressée. Puis mon chum Larry, qui est mon coach, en parenthèse, parce que il y a 12 ans, je connaissais pas ça, okay. Le lac Baker, puis la pêche d'hiver de tout le dit. Tout le monde avait fait mieux que toi, moi j'avais rien pris. À rien pris. Dire, c'est ta corde, c'est ta corde. Puis là, après ça, j'ai mis une corde normale, un flou. Je mets tout le temps un bodling fluocarbone. Depuis à peu près 6-7 ans, là, été comme hiver. Un bodling. Un bodling fluocarbone qui est supposé d'être moins. Le reflet du soleil est supposé de moins paraître sur cette corde-là. Puis elle n'étire pas, je pensais. Hein? Oui, elle étire. Tu peux pas mettre juste du fluocarbone parce que ta corde, elle va. OK. C'est pire que du nylon, là. OK. Ouais, puis j'ai déjà fait la gaffe au début. Je me disais, regarde, je vais remplir mon reel de ça. Puis j'étais dans la grande baie. J'avais passé 3-4 mouchetés. Regarde. Je les échappais toutes. c'est étiré, là. C'est pas efficace. OK. Je vais sortir le leurre, là. Vois-tu, j'ai un petit émerillon ici parce que. Vois-tu, si on compare un peu, là. On est proche, là. C'est dans... pas créable, pareil. Non, hein? C'est ça. Dans la longueur, de... moi, j'aimerais ça un jour me mettre une petite peinture bleue, là. Manque, cette petite coche-là. Mais je vois que c'est pas une tête ordinaire plombée, là. Non. T'es fort là-dessus ou tu viens de changer, tu fais des tests. Ça ou... fait 2 ans que je pêche avec ceux-là. Avant, je pêchais juste avec des teintes rondes, là, okay. Normales. Mais il y a à peu près 2-3 ans, ils ont mis sur le marché ces petites têtes-là où est-ce qu'ils mettent des petites bavettes ces côtés. Mais moi, je casse les bavettes. Les petites bavettes sur le côté, tu veux dire ça, là? Ouais. Oui. Vois-tu, là, il y a comme un genre de plastique oui. Chaque côté. Moi, je les casse. OK. Parce que ça virevole trop. OK. OK. Puis genre, c'était pas efficace. En les cassant, t'as comme, tu casses la petite pine de fer qui est ici, là. Fait que de temps en temps, tu viens piquer ça ici un peu. Ça lui donne une chance de rester droit. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que ça, c'est bien important, là. Juste avec la mission sur le dessus. Oui. Mais j'en échappais énormément. OK, donc OK. Là, je me remets un petit flou carbone ici avec un petit trépied sur la queue. OK, 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 c'est super, ça. Puis ça change pas le mouvement. Si on regarde dans l'eau, là, le mouvement que ça donne, là, regardez, là. Ben, ça oui. Fait vraiment comme un menu blessé, oui. La souplesse toute. C'est vraiment beau. C'est donc bien le fun, ça. Ouais. Faut que ça se rende à cette ligne-là, là. Ouais, c'est ça, tu sais, comme là, lui, t'sais, il est là, là. Lui, était il ben, est là, là. Mais, il était bien 10 pieds de différence, ou... Ah, ouais. Moi, souvent, là, je vais jiguer... à 10-12 pieds au-dessus de sa tête. Okay. Mais de temps en temps, quand il bouge pas, je vais aller le cogner au fond de même. Il a quoi là, là? Oui, il est là. Mais je vais le repogner en montant s'il veut mordre. Puis là, je digue un peu dans le fond, puis là, je monte assez rapidement, comme ça. Là. Comme ça. Puis là, quand tu vas passer vis-à-vis, de temps en temps... Il va décoller. Tiens, il y en a un qui a... Ça y a tenté. Ça y a tenté. Mais okay. C'est pas la rapidité qu'on recherche. Parce qu'habituellement, là, la vitesse, là, si maintenant je compare la vitesse de tout le dit à mon leurre, il va monter à cette vitesse-là à peu près. OK.
Faites de même. L'analyse de l'image est très importante. Je pense que c'est tout là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ouais. Danny, lui, l'analyse de l'image, il voit, tu l'as tellement vu, tu l'as tellement fait que... Que toi, je sais toi, tu vois ça, quand il faut que je monte ou que je monte pas, comme garde, vois-tu là, il m'a revu, là, il a failli la repogner en descendant. Là. Mais là, ils sont pas très preneurs, on dirait, là, aujourd'hui. Okay. Là. Ils sont pas faciles. Tantôt, ça a donné un petit boom, on a sorti deux, là. Larry en a pris un aussi. C'est que quand il monte, là, je monte avec lui. OK, OK, OK. Puis plus qu'il va être rapide, faut que je sois au-dessus de lui tout le temps. Okay, parce que le poisson mange. Tu te sauves, là. Moi, je m'en sauve. Carrément. Mais tu te sauves à 10-12 pieds. Je m'en sauve à 3-4 pieds de lui. OK, OK. Aussitôt qu'il arrive proche, comme regarde, il y en a un là, qui arrive, là. Oui, là, je vois bien, là, oui. Mais il n'est pas preneur. Mais il vient voir quand même. Puis à un moment donné, là, il change de mouvement. Regarde, tu vois, là, il va redescendre. Ouais, là, il est reparti sur le côté, probablement. Parce qu'il est reparti dans le fond, on aurait vu descendre de même. Hey, c'est pas mal. C'est pas mal le fun. C'est pas mal le fun. Ouais, c'est juste une belle journée, là. Ouais, c'est vraiment c'est le fun. Doux. Mais c'est pas une grosse ouverture, là. On a trois pilotis, puis un oie de niche à quoi, 6-7 pêcheurs. Mais quand même, t'as l'air. Mais quand même, mais quand même. Mais face à cheval, ils vont un bac aux deux semaines. Tu devrais aller voir, regarde. Veux-tu nous suivre? On va aller voir la cabane de pêche. Il y a une couple de photos là-dedans. Ah, voyons donc. De des pêches. Wow! Ouais. Un gros, tu l'as dit toi-même. Tu sais, comme ça, là, c'est... lui, il a comme 3 cm de plus que de ce qu'on a le droit de garder. OK, là. OK, OK. Tantôt, il a failli le remettre à l'eau. J'étais pas sûr, là, avec l'été. Ça, c'est des beaux. Ça, là, c'est des livres, ça, là, pas mal. Je veux dire, vous êtes gâtés pareil. Là. Ça, c'est la Wananis. Ça, c'est un beau poisson en tabac. Ça, c'est un saumon d'eau douce. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est beau. Ça. Il y a beaucoup de pêcheurs, là, ici. Là. Tu sais, ça regarde, là. Ah, il y a du monde qui pêche les fins de semaine, ici. Là. Il s'en sort du poisson, là. Ben, la meilleure mais il faut qu'il aille un peu pareil. C'est t'sais. Plus nous autres, là, mais les autres, ils en sortent un peu de temps en temps. Ça, c'est notre belle cabane. Ça, c'est la cabane de Larry. Puis regarde, je sais pas si t'es capable de voir des photos de pêche. Ça, c'est en ouverture. Il y a 5-6 ans, ça avait été. Il était comme 11 h le matin, c'était fini. Ah, ben, ouais. Cela, on a fait. Ouais, wow. Il est beau. Ça, ça en est un autre, c'est. Wow! Ouais. Ah, c'est un gros lac de pêche. Puis ça, ben, c'est les produits finis, ça. Vous faites goûter à ça. Wow! La bonne truite de fumée. Ça, c'est la truite fumée du lac Squatec. Tout à ça. Merci, mon ami. Ma belle Nadine. Mm. Tiens. Hey, merci. Mmh, tant bien, bon. C'est bon, ça. Mais, Squatec, il y en a des roses. Plusieurs. Oui, il y en a plusieurs roses. Moi, je pense que c'est dans ce semencement. Je pense que oui. Mmh. Ah oui, il est beau. Ah oui. Oh! Hé, qu'on est gâté. Ah, c'est un beau. Ouais. Fait que bien que les boys! C'est une bonne niche, non? Non, je pense pas. Ça donne des coups de tête. Regarde les bulles. Ah, c'était un beau. Oh! Oh, ah, ça va! J'ai vu à la face! C'est bon! Regarde ça! La semaine prochaine, accompagné de mon ami spécialiste de pêche bien connu de ma région, le Témiscouata, Luc Soucy nous emmène sur le lac Squatec taquiner la truite grise aux marcheurs de fond. Trucs, astuces et conseils sont au rendez-vous.